L'élevage des Malvaux, vous connaissez. Nous sommes ici à côté de Montluçon, sur les hauteurs de Montluçon, chez le docteur vétérinaire Brigitte Poulvet, qu'on va voir dans un instant. Bonjour Brigitte, j'espère que vous allez bien. Bonjour, merci, oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre élevage et vos poulinières, s'il vous plaît? Oui, alors j'ai un élevage avec 5 poulinières pour le moment. Malheureusement, la grise là qui est vide mais pleine de bâtirons, c'est une Sagamix. D'accord. À gauche, j'ai une jument qui s'appelle La Courtille et qui est suitée d'une fille de Balco. D'accord. Qui est pleine de Cap-Garde. Qu'est-ce qui nous arrive? Celle qui arrive là, c'est la dernière jument que j'ai acquise au mois de décembre à Deauville. Elle s'appelle Dans l'espace. C'est une sœur de Pafadas. Elle a fait une femelle alezan par Noris Catol et elle est pleine de Martaline. Qui est juste ici. Juste ici à l'alezan, voilà. Et par ici, qu'est-ce qui vient ici là? Ça, c'est, c'est une Noris Catol par Casana. Et Casana est pleine de Nightwish. Et encore un peu plus loin. Encore un peu plus loin, on a une jument de plat, normalement plutôt de plat, qui s'appelle Perspicace et qui est suitée d'un mâle par American Post. Donc, c'est son deuxième produit. Elle a fait un Literato il y a 2 ans, qui est cinquième et premier en débutant à 2 ans. En débutant à 2 ans. Et donc, si j'ai bien compris, c'est un élevage axé principalement sur l'obstacle, c'est ça l'obstacle que vous passionnez? Voilà, il y a 4 juments à fond obstacle et puis une de plat. Depuis combien de temps vous élevez, Brigitte? Depuis 1987. Et à votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, Bleu Majorelle. Bleu, pourquoi? Parce que c'est le cheval qui m'a fait le plus plaisir. C'était déjà un cheval d'obstacle? C'était déjà un cheval d'obstacle, voilà. Et né élevé ici? Né élevé ici, oui. Donc ça fait depuis le début que vous êtes installé ici sur voilà, les terres à côté de Montluçon? Terre, voilà, sur la commune d'Uriel, dans l'Allier. Voilà, sur 14 hectares. Merci Brigitte. Merci.